L'être humain doit être l'expression parfaite de la descente de l'énergie dans la matière. Il ne peut pas être simplement l'expression imparfaite de la cohabitation. Il ne peut pas être simplement l'expression de la juxtaposition. Il doit devenir, avec le temps, l'expression totale et parfaite d'un absolu, dont la qualité primordiale sur le plan matériel est de créer en fonction de l'harmonie parfaite de ses principes, et non pas simplement de subir constamment un événementiel à cause d'une incapacité mentale de contrôler son énergie électriquement. La volonté de l'homme, la volonté réelle de l'homme, est un potentiel d'affirmation. Donc, elle est un potentiel de contrôle. Donc, c'est à partir de la volonté de l'homme que le contrôle électrique de sa conscience se fera. Et cette volonté ne viendra pas d'un jour à l'autre, parce qu'elle fait partie de l'actualisation sur le plan matériel, d'un potentiel de vie nouvelle, c'est-à-dire d'une mentation nouvelle, c'est-à-dire d'un psychisme parfaitement ajusté à la matérialité, à la mortalité de l'homme. Pour que l'homme en arrive éventuellement à savoir qu'il est parfaitement équilibré dans ses sens, il lui faudra en arriver éventuellement à réaliser et à savoir qu'il est capable de parfaitement réaliser ce qu'il veut. Et tant que l'homme ne saura pas qu'il est capable de parfaitement réaliser ce qu'il veut, il ne pourra pas prendre le contrôle de son énergie électrique, parce qu'il y aura en lui encore un certain espace, un certain doute de sa capacité. Et l'homme ne doit pas avoir de doute de sa capacité, parce que ce doute fait partie de la conscience astrale de son évolution. C'est à travers le contrôle de son énergie mentale que l'homme en arrivera éventuellement à contrôler électriquement son énergie. Car son énergie mentale est la plus puissante. C'est elle qui domine sa conscience et qui fait de lui un être assujetti ou un être en pouvoir. Le mental de l'homme fait partie de la nature intérieure de son moi. Il fait aussi partie, par contre, de la relation étroite entre le plan humain de sa conscience et le plan astral ou le plan cosmique de cette même conscience. Et l'homme devra éventuellement en arriver à éliminer de sa conscience mentale toute forme personnelle d'énergie que nous appelons la pensée subjective. La forme personnelle de l'énergie mentale, c'est-à-dire la pensée subjective, colore la conscience humaine, c'est-à-dire l'astralise, et enlève à l'homme la volonté créative de sa propre puissance électrique. C'est dans la nature de la pensée subjective d'enlever à l'homme la volonté créative de son énergie. C'est pourquoi la pensée subjective au cours de l'évolution sera de plus en plus transmutée pour que l'homme en arrive un jour à ne plus sentir, sur le plan mental, de présence psychologique ou de présence psychique, c'est-à-dire de façon de penser purement subjective ou de contrôle mental supérieur à partir d'un double cosmique. Mais ceci viendra dans la mesure où l'homme sera capable de contrôler électriquement son énergie. Parce qu'au cours de cette évolution, alors qu'il en arrivera à faire ceci, l'homme réalisera qu'il domine tous les principes qui construisent ou qui sous-tendent sa conscience. Et il domine ses principes dans la mesure où il est capable, en tant qu'être, de supporter le vide de sa conscience et, dans un même temps, de faire apparaître sur le plan matériel le plein de cette même conscience. L'homme supportera le vide dans sa conscience en dépersonnalisant son mental et il fera apparaître sur le plan matériel le plein de sa conscience
en manifestant électriquement son énergie, en contrôlant électriquement cette même énergie, afin de pouvoir attirer vers lui les événements nécessaires à la construction harmonieuse de sa vie. L'être humain est un phénomène en évolution instantanée. Il représente la qualité absolue de l'énergie de se manifester absolument dans l'instantané. Et dans la mesure où l'homme passera de l'involution à l'évolution, cette qualité de la conscience humaine sera de plus en plus manifeste et l'homme découvrira que la nature de son être ne relève pas de sa relation ultimement occulte avec l'infini, mais de sa capacité ultimement infinie de dépersonnaliser l'occulte et de créer sur le plan matériel une relation étroite entre le mouvement de l'énergie et sa volonté. Dans ce temps à venir, l'homme réalisera que l'unité de sa conscience, la réalité de sa conscience, n'a aucun rapport avec la qualité subjective de sa pensée face à l'occulte ou à l'invisible de sa conscience. Ceci n'est qu'un miroitement subtil du plan mental, servant à donner à l'homme une conscience égoïque, mais inévitablement voué à être transmuté par l'homme lui-même, parce que c'est l'homme lui-même qui finalement deviendra le produit finalitaire du mouvement de l'énergie cosmique vers le plan matériel. C'est l'homme lui-même qui deviendra inévitablement le facteur absolu et constant de l'énergie des plans les plus élevés aux plans les plus bas. C'est l'homme lui-même qui éventuellement représentera dans le cosmos l'unité de ce qui est connu sous le nom d'énergie cosmique. Pendant l'évolution, l'homme dut subir cette énergie, parce que pendant l'évolution, son mental n'était pas exercé à la totale manipulation à travers la volonté ultimement humaine de l'énergie. Mais au cours de l'évolution, l'homme en arrivera à être capable de parfaitement utiliser cette énergie, de parfaitement lui donner la forme qui coïncidera avec ses besoins. Et c'est dans ce temps, dans cet avenir, que nous découvrirons sur le plan matériel un être effectivement sublime, un être noble, un être réel, qui ne vivra plus des alliances psychologiques, psychiques, avec une invisibilité ou des plans qui, de tout temps, ont dominé son évolution. Nous découvrirons un être réel qui aura finalement brisé la polarité psychologique de l'ego, qui aura finalement rompu avec le dispositif émotif de la conscience évolutive pour finalement s'attribuer tout le pouvoir possible selon sa capacité d'en supporter l'énergie. Et dans la mesure où l'homme sera capable de s'attribuer tous les pouvoirs possibles en fonction de son évolution, nous découvrirons un homme de plus en plus avancé dans tous les domaines de l'expression de l'énergie, donc nous découvrirons un homme capable finalement d'assumer la responsabilité planétaire et cosmique de l'évolution sans avoir à réfléchir, sans avoir à revenir en arrière et sans avoir à être mis en jugement par rapport à des valeurs cosmiques ou par rapport à des valeurs intérieures ou spirituelles ou métaphysiques qui font partie du jeu de l'astral mental sur sa conscience humaine encore non préparé à la totale immersion du moi dans la totale conversion de l'énergie. Donc, le contrôle électrique de l'énergie
fait partie de la nouvelle évolution de l'homme, il amènera l'homme à une constatation de plus en plus grande de son absolu, et il permettra à l'homme de pouvoir finalement s'identifier parfaitement avec lui-même. Et lorsque l'homme pourra s'identifier parfaitement avec lui-même, il deviendra de plus en plus capable d'assumer la totale responsabilité de son action sur le plan matériel. Il n'aura plus à questionner, c'est-à-dire à vivre le doute de la gestion psychologique de son moi. Il sera un être parfait, il sera un être parfaitement intégré, et il donnera naissance effectivement à l'homme intégral, c'est-à-dire à cet homme que les anciens ont toujours idéalisé et ont toujours convenu comme étant la manifestation la plus élevée de la conscience, c'est-à-dire l'homme Christ, l'homme ultime, l'homme parfait. Mais il faut faire attention parce que l'homme, encore aujourd'hui, n'est pas suffisamment intégral pour pouvoir réellement comprendre ce que veut dire l'homme Christ, parce que l'homme a tendance à utiliser les mots et les formes en fonction de la mémoire du passé, en fonction de l'émotivité qu'il a mise dans cette mémoire pour constater une forme quelconque d'idéal et d'évolution. L'homme Christ, l'homme universel, l'homme conscient, l'homme nouveau, l'homme intégral, tous ces termes ne se rapportent qu'à une réalité de l'homme, celle où il pourra un jour finalement contrôler électriquement son énergie, c'est-à-dire amener vers lui-même tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est bien, tout ce qui est parfait, et repousser de lui-même tout ce qui retarde sa propre évolution, tout ce qui empêche son équilibre, tout ce qui l'amène inévitablement à la souffrance et ultimement à la mort. La fonction de l'instruction mondiale est de projeter dans un avenir quelconque la définition future de l'homme. Sa fonction est de décrire un peu ce que l'homme nouveau sera. Il est inévitablement impossible à l'homme d'aujourd'hui de parfaitement comprendre ce que veut dire l'homme nouveau. Même l'instruction ne peut pas le rendre parce que l'homme nouveau ne sera que lorsque lui-même sera. Mais l'instruction peut facilement expliquer, jeter de la lumière sur cet homme et en révéler les contours, afin que l'homme évolutif, passant de l'évolution à l'évolution, puisse graduellement perfectionner sa nature, perfectionner son rapport avec son intérieur, comprendre la mécanicité de son intériorité pour en arriver un jour à être parfaitement libre sur le plan de l'énergie, du mouvement de cette énergie à travers ses principes. C'est alors que l'homme contrôlera électriquement son énergie et qu'il ne fera plus partie de la race humaine évolutive.